Yo tout le monde, c'est Overdose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui donc a porté sur le cosplay que j'ai réalisé donc pour la Japan Expo 2019. Alors je la réalise que maintenant parce qu'en fait ceux qui m'ont pris en photo là-bas donc ont développé les photos que maintenant, ça a été hyper long et du coup voilà, ça y est, je les ai enfin et je peux enfin vous la montrer. Donc disponible sur la page Facebook que j'avais créée, donc Overdose Cosplay, parce que même si je suis pas vraiment cosplayer, je suis... Ça m'a fait kiffer, je vais peut-être continuer, on verra bien, enfin bref. Donc là, en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai réalisé le cosplay, étape par étape, plus ou moins, sachant que j'ai pas fait de photos, en fait, pour faire des tutos. J'ai plutôt fait des photos parce que je me suis dit, tiens, c'est cool ce que je fais, enfin, ouais, un peu narcissique sur les bords. Mais du coup, je m'étais dit, ouais, c'est cool, il faut que je montre ça aux potes. Donc je prenais des photos par-ci, par-là, voilà, des choses dans le genre. Et qui m'a amené en fait à avoir toute une panoplie de photos pour pouvoir vous montrer. Donc ceux qui ont des questions sur comment ça a été fait du coup, ouais, comment t'as réussi à faire ça, machin, vous n'aurez qu'à me les poser dans les commentaires. Moi je me ferai un plaisir de vous répondre en fait, parce que c'est, je le rappelle, hein, mon premier cosplay, j'avais jamais fait avant, j'avais jamais travaillé ce genre de choses avant, je suis même pas... Tu manuel, mais pas trop dans ce domaine-là. Donc voilà, j'étais plutôt content en fait de ce que j'avais fait. Et... Voilà, je tenais à le partager. Donc du coup, sans plus tarder, donc on va lancer plusieurs photos. Du coup, je vais faire pause, machin. Je pourrais en parler s'il y a besoin, s'il n'y a pas besoin, machin. Donc à la base, en fait, j'avais deux masques différents. Donc j'avais le celui de droite, le masque en fait du Predator original, et à gauche donc ce qu'ils appellent l'Eagle Predator. Mais pour une raison plus qu'évidente, je n'ai pas pu le mettre. Parce que déjà, il me faisait hyper mal au niveau du nez, parce qu'il est, j'ai une grosse patate, vous voyez, on profite ce que ça donne, grosse patate, comme ça. Et en plus, j'ai mon chat qui l'a fait tomber. Et comme c'est de la résine, il l'a cassé. Voilà. Donc là, on est sur, je crois que c'est ma tête. Ouais, c'est vraiment ma tête. Donc, vous demandez ce que c'est? Eh ben, c'est une cagoule. Parce que du coup, il a bien, pour faire le cosplay avec les dreads, il a bien fallu un support. Donc du coup, j'ai pris une cagoule sur AliExpress. Et donc, on a mis sur une tête de mannequin, qu'on peut voir en arrière-plan d'ailleurs. Et je l'ai enduite en fait de colle chaude. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est simplement pour lui donner une forme, en fait, que ça reste, même une fois enlevé, que ça reste arrondi au niveau du pour le crâne. Parce que du coup, sinon, ça le ferait pas. Donc du coup on a fait ça, puis après donc je l'ai mis sur la tête, on a continué, je me suis brûlé aussi, c'est quelque chose que je vous recommande pas, parce que ça passe à travers, notamment la diffusion de la chaleur. Et donc une fois que c'était fait, déjà c'était un bon début, parce que après toutes ces souffrances, il fallait avancer un petit peu, donc j'ai pas spécialement filmé, donc... la mise des dreads en fait, parce que ça a été super long. J'avais acheté, je crois que c'est 60 mètres de Cyberlox, coupé donc pour certaines à 70 cm, d'autres à 50 et d'autres à 30. Mais donc il fallait faire mon point de colle, bien mettre la Cyberlox, attendre que la colle refroidisse pour que ça tienne. Parce que si au début je faisais pof, je mettais comme ça là, tu vois, et je lâchais, le truc. Nice. Donc ouais, c'est presque 30 secondes par Cyberlox. Il y en a, je sais pas combien il y en a, je vais pas les compter de toute façon. Sachant qu'après, en plus, il a fallu, je me suis dit, je vais mettre des petits écrous au bout pour faire un peu de poids et faire une petite déco. L'écrou, il a fallu aussi le mettre, réussir à le mettre, le coller et le peindre. Allez, bonne idée, Flo, bonne idée. Ouais, donc voilà, du coup, c'est vrai que là, comme ça, ça a pas de gueule, hein, c'est sûr, c'est pas très très beau, mais voilà. Voilà, donc la cagoule en fait avec les Cyberlox de coller. Donc là, ouais, effectivement, encore vous allez vous dire, ouais, non, on voit la colle, c'est dégueulasse. Pas de panique, je l'ai peint après, d'accord. J'ai pris un aérosol, je suis venu entre toutes les Cyberlox pour le mettre en noir et essayer de faire un dégradé qui remontait sur les Cyberlox. Ça rendait d'ailleurs plutôt pas mal et ça tenait vachement bien, je trouve. Ouais, voilà, donc ce que ça donnait. Mais après, c'est vrai que là, comme ça, en fait, tout seul, on dirait juste un Tighty Bob, mais enfin, en vrai, c'est un peu plus joli, quoi. Et voilà, donc avec le masque, donc du coup au final j'ai opté pour le choix du masque original. Bah, de toute façon j'avais plus le choix. Et donc j'ai refait, si je la retrouve je vous mettrai une image en fait de ce quoi, en fait, qu'est-ce qui m'a inspiré de faire en fait ce cosplay en Dark and Gold. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça, sachant qu'à la base il aurait dû être beaucoup plus stylisé que ça, c'est-à-dire je voulais faire du baroque un peu partout et je l'ai pas fait pour des raisons évidentes qui sont que je suis pas un artiste. J'ai acheté des petits stylos... des trucs de peinture 3D, machin. J'ai essayé, c'était super moche, j'ai arrêté. Attendu.
Là, par contre, après, bon, il manque le poids au bout des dreads, donc du coup, ça tient. Elles sont bizarres. Bon, entre-temps, il y a eu un nouveau coup de peinture sur le masque, hein, vous en faites pas, il a été retravaillé. Au niveau des yeux, en fait, c'est simplement que là, j'avais mis une grille, en fait, j'ai acheté une grille pour enceinte, que j'ai recoupée, donc j'ai essayé de mettre bien à plat dedans, que j'ai collé, et j'avais mis donc un film, en fait, doré, où on voit au travers. C'est pareil, ça pour la Japan Expo, je l'ai complètement modifié. J'ai juste mis le film en fait, j'ai juste tendu et je l'ai collé comme ça. Et en fait, du coup, ça donnait beaucoup plus lisse et ça faisait moins de taches que ça. Ah, vient ensuite une étape qui nous a fait rire, moi et ma femme. Donc là, ce que vous voyez, c'est Bibi. Je suis un gars qui aime bien la bonne popote, tu vois. J'aime bien manger, j'aime les frites, le McDo, tout ça. Donc, on se retrouve avec un mec plutôt baraqué, vous l'aurez vu, j'ai des sacrées épaules. Mais du coup, je suis une bouteille d'Orangina. J'ai un gros ventre. Ce qui fait que j'ai dû me saucissonner, parce que donc je vous explique, j'ai moulé la plupart des pièces de mon cosplay. Donc, pour le mouler, tu vas pas le faire à même ta peau, sinon tes poils après, ciao ciao. J'ai donc dû me saucissonner. Et ça a été trop drôle parce que du coup, le cosplay, du coup, au début, j'ai essayé, ça remontait sur mon ventre. Je me suis dit, imagine, je perds du poids. Imagine, je perds du poids. Le truc, on va pouvoir être à 4 dedans. Finalement, on ne pouvait pas être à 4 dedans quand même parce que j'ai pas perdu de poids. Mais c'était drôle. Du coup, j'ai mis une ceinture pour le dos, pour la Japan Expo, en fait, pour me compresser et donner l'illusion que j'étais pas une bouteille d'Orangina, mais plutôt une bouteille de Fanta, tu vois, plus droite. Ah la vache, c'était trop drôle. Moi je tiens à dire, hein, moi je m'assume à 100%, on bat les couilles. Hein. Donc là on est rendu donc bien plus loin, donc c'est pareil, j'ai pas fait de photo en fait du moment où je me suis moulé. Donc en fait, le moule en question c'est des bandes à plâtre. Donc ce qu'on se sert, vous savez, pour faire un plâtre en fait, mais en plus nul, plutôt style créatif, vous savez, si tu fais un masque, tu le mets sur ta gueule, tout ça. Donc du coup, je m'étais moulé, j'ai dû rester une bonne heure debout à rien branler, c'était trop cool. Une fois que c'était fait, donc pour les poser ailleurs, d'ailleurs en finissant de sécher, ça s'est affaissé, ça a bougé, j'arrivais plus à le mettre, enfin, gros bordel. Et donc une fois que toutes ces pièces ont été faites, donc torse, donc du coup après j'ai reséparé en deux, j'ai dû redécouper, avant-bras et les mollets, j'ai mis de la fibre de verre dessus, parce que du coup je voulais quelque chose qui soit rigide. Et qu'il soit solide, hein, que je me disais qu'en fait à la Japan Expo, si je heurte quelqu'un, je voulais pas que ça éclate en fait et que je me retrouve en fait à avoir de la poudre de je sais pas quoi ou que le machin se pète et que bah, du coup je le Japan annulé et que je dois rentrer chez moi. Donc du coup, d'où mon intérêt pour la fibre, sachant qu'en plus c'est quelque chose qui est assez léger, donc ça m'a pas dérangé. Puis vu que je suis balèze, de toute façon, c'est pas un problème. Donc là du coup, je faisais des photos en fait dans le miroir parce que j'étais tout seul pour le faire et je voulais faire quelque chose de droit et j'ai eu des petites découpes particulières à faire dedans et donc du coup il fallait que je me voie dans le miroir en fait en portant les pièces pour voir si le col était plutôt droit, si l'arrière, les rainures tombaient au bon endroit, tout ça. Le fameux canon ensuite qui est arrivé, que j'ai fait entre deux, je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'en fait j'ai déjà fait une vidéo tuto sur ma chaîne donc pas la peine de m'étaler, donc là simplement on voit sur la partie en fibre que j'avais commencé à dessiner l'aspect visuel 2D du torse, donc il va bien changer après. D'ailleurs on voit déjà au niveau du bras en fait ici que j'avais déjà commencé à coller de la feutrine, mais bon là ouais je m'étais assuré que les cols soient faits en fait pour pas me trancher la gorge simplement. Et le support du canon, donc en fait dans le Predator original, il a un espèce de gros support. J'ai essayé d'en faire un, ça a été relativement difficile de faire tenir quelque chose là-dessus sur de la fibre comme ça, sans percer. Donc, si vous voulez savoir à quoi de base, enfin, qu'est-ce qu'il y a en dessous, il y a deux supports, enfin, c'est les deux premiers supports, c'est des bouts de poteau PVC que j'ai utilisé pour faire ma clôture. J'avais des restes, coupé, posé, ça fait déjà une base plus ou moins rectangulaire. Et le reste, après, c'est à coups de morceaux de plastique posés comme ça, collés, machin, et hop, après, j'ai tendu plein de trucs dessus, et puis voilà. Sachant que j'ai revu plusieurs fois plusieurs pièces, mais là, ça c'est pas la forme finale, hein. Vraiment, ça a bien changé à la fin. Donc là, voilà, une fois que j'ai mis toute ma créa mousse, et que je l'ai réussi, donc ça a été un gros défi pour moi.
Parce qu'il fallait donc que ça prenne la bonne forme. Hein. C'est un vrai travail de couturier, c'est vraiment ignoble à faire. Tout n'est pas tombé comme je voulais. Bon, écoutez, après en soi, là je suis plutôt content de moi en fait. Hein, très honnêtement, voilà. Donc là, du coup, j'avais rajouté un petit peu de déco. J'avais les creux, hein, je les ai comblés avec une espèce de mastic un peu souple. Mais ça, c'est avant le ponçage. Du coup, la pièce 100% adaptée à mon corps. Et ça a été vraiment pratique parce que c'était hyper confortable. J'étais pas serré dedans. Je me sentais pas mal à l'aise. C'était vraiment trop bien, quoi. Donc là, on est sur une pièce. Donc c'est pareil, j'ai pas fait de vidéo. Explicative ou ni de photo, mais bon. Donc ça, c'est la partie qui est sur ma cuisse, en fait, sur le côté, au niveau de la hanche. Si vous regardez une photo du Predator qui s'affiche maintenant, et ben, vous avez des, en fait, une partie. Donc en soi, en fait, il a plusieurs types. Enfin, son armure, elle se compose d'espèces de claquettes, voilà. Les mollets, il en a sur les côtés, devant et derrière, au niveau de sa tub et son cul. Il en a, en fait, il a l'avant-bras, il a une partie sur le côté entre le biceps et le triceps. Il a l'épaule, il a l'armure et il a le casque. Donc j'ai refait tout ça. Donc ça c'est les parties sur les côtés. Donc ça c'est encore pareil. On voit encore les vieux coups, des traces dégueulasses. Donc ça a été repris à l'issue. Ouais, à la base en fait, je vous explique pourquoi un engrenage sur le côté alors qu'il n'y en a pas normalement. C'est juste que je pensais faire du. En fait, je pensais faire un style steampunk avec des tuyaux qui dépassent, machin, du cuivre, je pensais faire. Et en fait, je me suis dit, oh Flo, calme-toi, c'est ton premier cosplay, tu vas peut-être pas te lancer là-dedans, c'est peut-être un peu difficile pour toi. Donc du coup, bah, je me suis ravisé, et en fait, j'avais commencé ça comme ça, et je me suis dit, je vais le laisser quand même, parce que j'ai pas envie de le refaire, tout simplement. Et puis voilà, mais donc à la base, ça était prévu steampunk, parce que j'aime bien ce style, et je trouve qu'il est vraiment, il est vraiment attrayant. Donc ça, c'est la fameuse partie donc, que je vous disais, qui était... ici entre le biceps et le triceps, donc ça c'est pareil, ça a été une grosse galère à faire. Hein. Vous voyez la forme en fait, le deuxième qui est posé là-bas. Cette forme, c'est des morceaux que j'ai mis en dessous, que j'ai du coup après j'ai dû chauffer, coller, machin. Enfin, ça a été plus ou moins galère, sachant qu'il est hyper épais, il est plus épais que ce que j'aurais voulu, mais bah, en fait j'avais pas trop l'astuce enfin, à ce moment-là de comment est-ce que j'allais faire. Voilà, vous voyez un petit peu l'épaisseur que ça fait, c'est hyper épais, c'est pas très bien. Alors ça c'est le protège-bite que vous voyez là, c'est pareil, il n'avait pas cette forme-là au début, mais donc il se met deux, en fait simplement, bah, comme son nom l'indique, protège-bite, surtout en plus avec les deux engrenages, ça fait tellement bite quoi, c'est trop con, je suis un débile. Non, je vous dis pas de conneries, non, je l'ai changé, il a changé à la fin, et j'ai décidé d'enlever ces trucs-là parce que justement ça faisait trop tub, ça me gavait, du coup je trouve ça moche. Et je l'ai changé, je sais, je crois que je l'ai juste laissé tel quel parce qu'il y a une pièce après qui vient par-dessus. Enfin, vous verrez après. Je sais pas si je prends en photo le truc parce que je le trouve beau ou si je vous prends les défauts en photo. Donc, ça, c'est le protège-cul. C'est le fameux protège-cul. J'étais assez fier, mine de rien, en fait, de ce que j'avais fait parce qu'il est imposant et il est assez lisse et je suis content. Et donc, lui, bah, le seul problème, c'est qu'il, comme il n'est pas souple, en fait, c'est bah, si je me baissais en avant. Eh ben, ça faisait un truc totalement dégueulasse quoi. Mon corps faisait un espèce d'angle droit et ça aurait fait une queue quoi. Mon pareo, donc du coup, bah, comme le Predator, il a une espèce de robe en fait, de petite jupe autour et bah, du coup j'en ai fait un simili-cuir. Alors, le seul truc que je regrette c'est de l'avoir collé et pas de l'avoir cousu. Bref, j'ai pas utilisé de fil et d'aiguille. Je l'ai collé et. En plein milieu de la Japan Expo, il y en a un, il est tombé par terre un morceau de ces trucs-là. Voilà. Donc du coup, je vous déconseille de coller du simili-cuir, ça ne colle pas très très bien. Du moins, ça s'enlève facilement, plutôt. On arrive aux gants. Donc les gants, ce sont simplement des gants de sport que j'ai pris. Parce que du coup, quand je les ai mis, je me suis dit, mais waouh, mais c'est hyper confortable ce gant, c'est génial, il me le faut. Donc je l'ai pris. J'avais juste pas pensé, je me disais juste pas dit le truc blanc, là. Ça va peut-être être chiant après pour le masquer. Bah oui, c'était chiant pour le masquer. Il a fallu le peindre et ça tenait pas. Et c'était chiant. Il a fallu en remettre et encore. Donc pour les doigts, c'est simplement de la craie à mousse. Donc j'ai mis à plat. Je me suis fait un espèce de carré que j'ai remis sur mon doigt. Je l'ai fait au feutre. J'ai fait comme ça. Je l'ai remis à plat. J'ai coupé. Je me suis dit ok, je vais le remettre. Je me suis dit c'est cool, j'aime bien. Bah je vais refaire ça plusieurs fois. Puis je me suis dit mais attends, mes doigts sont pas tous la même taille, tu vois. Donc j'ai essayé d'en découper. Et à la fin, talon. Donc là comme ça, c'est pas super super, mais je vous assure qu'une fois peint, ça va. Hein, c'est pas trop dégueu, c'est même assez cool, je trouve. Mais j'aimais bien cet effet en fait, vraiment griffe entre guillemets démoniaque. Bon, j'ai enlevé une des photos parce qu'une je faisais un petit doigt, c'était mignon. Mais... Alors, je vous présente
les sabots version 1. Je vous assure, la version 2 n'est pas bien non plus, mais voilà. Donc à la base, je voulais en fait faire un effet. Ça fait là, ça fait hyper. En fait, je trouve rhinocéros. C'est pas forcément l'effet que je cherchais au début, mais en fait, moi, je voulais juste faire un truc qui impose. En fait, que même si on gagne des pieds, eh ben, on se dit putain, waouh, ça arrive. Bon, ça, à la fin, ça m'a gavé parce que je me prenais les pieds partout. Autant vous dire que quand vous promenez avec un hameçon au pied, vous attrapez des choses. C'est normal. Donc là, bon, bah, je me suis dit, je vais attraper un enfant ou deux et ça, bon, je vais aller en prison. Donc je vais l'enlever. Donc je les ai. À la fin, j'ai changé. Donc je crois que j'ai mis après les photos. Voilà, donc en plus avec 150 litres de colle pour que ça tienne cette daube là. Donc là c'est la partie où je peins. Donc là j'ai utilisé en premier lieu la peinture Basics de chez Cultura que je vous déconseille parce que dessus c'est écrit opaque, ça ne l'est pas du tout. Si vous mettez une sous-couche blanche, il faut ensuite 3 à 4 couches pour que ça soit noir, de la pure daube. Donc après j'ai changé de marque et elle était beaucoup plus opaque en une couche déjà. Boah, c'était efficace. Si je la retrouve, je vous dirai. Donc là ça c'est de la mousse du polystyrène expansé. Donc ça c'est l'extrudé, pardon. Donc ça c'est ce que vous retrouvez dans les magasins de bricolage, hein, simplement. C'est les espèces de polystyrène rose qui s'emboîtent les uns dans les autres. Faire des petites isolations, genre dans votre garage, votre caravane, ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est la découpe que j'ai utilisée pour mettre en fait sur le dessus de la main. Voilà, donc ça ce sont les claquettes V2. Hein, donc je me suis dit, je vais faire plutôt des griffes, quitte à être imposante, en faire un truc qui pique. Donc c'est pas spécialement joli, ça fait même très brut, on dirait. L'équipement d'un jeu vidéo des années 2000, quelque chose comme ça. Le seul truc dont je suis fier dessus, c'est la partie dorée. Je crois qu'on est en gros plan après. Voilà, donc ça en fait, j'ai juste peint la partie dorée et puis après au décapeur thermique, je suis venu passer un coup de chaud dessus et en fait à la base, j'ai pas fait exprès. Mais j'ai vu que ça faisait des petites bulles par-ci par-là et je me suis dit, waouh, mais c'est trop beau! Ça fait un peu un effet. Perlé, mais un peu, vous savez, du vieux métal en fait qui aurait été martelé. Enfin bref, j'aimais bien l'effet simplement. Donc du coup, je l'ai fait partout et je l'ai reverni en fait pour consolider tout ça pour que ce soit pas trop fragile. Bien ensuite, la partie mollet qui m'a posé beaucoup de problèmes, surtout dans la conception. Comment je me suis posé plein de questions. Comment est-ce que je fais? Est-ce que je fais un système de lacets? Est-ce que je fais un système où ma tenue est équipée de velcro et en plus après j'ai plus qu'à foutre dessus ou non? Donc à la fin j'ai opté pour un système en fait qui se ferme comme ça et comme vous voyez en fait sur l'image à droite, et ben du velcro autour et une partie qui vient s'aplatir dessus pour fermer le reste. Voilà ce que ça donne. Donc pareil, j'ai pas fait d'étapes, mais une fois réalisé, on va dire. Donc là, vous voyez en fait dans le fond la partie en plâtre, donc que j'ai peint après pour pas me retrouver tout blanc à l'issue. Mais donc cette donc fameuse partie qui peut s'ouvrir, se fermer. Donc avec modération, c'est sûr, tu vas pas l'ouvrir comme je sais pas moi une pochette de jambon et puis voilà, parce que sinon c'est mort. Donc je l'ai retravaillé un peu d'ailleurs, on va le voir juste après. Donc ouais, ça a été assez compliqué aussi de le rendre bien, de le faire en une feuille, mais bon, après donc je l'ai chauffé pour que ça prenne la forme. Donc là c'est la partie de devant au niveau du genou. Donc au début je trouvais ça hyper gros en fait par rapport au machin. Je me suis dit j'ai peut-être vu les choses un peu grandes, ça fait peut-être beaucoup. Et en fait non, ça va, une fois que le cosplay est mis, honnêtement ça passe crème. Donc ça c'est l'arrière, donc là en haut du mollet et en bas au niveau du talon, donc du coup je trouvais ça trop cool. Ça a fait l'effet que je voulais, hein, sans, on verra tout à l'heure vraiment dans les photos finales. Donc là voilà la fameuse partie en fait en velcro dont je vous parlais, donc du coup qui m'a posé quand même quelques problèmes parce que ça se collait, décollait. Il a fallu que j'enlève le tout, que je remette de la colle néoprène pour que ça prenne beaucoup mieux. Donc là voilà la fameuse partie, ouais du coup j'ai fait comme ça, je m'étais dit si je mets dans la largeur, je suis quasiment sûr que ça vienne toucher au moins un des bords vu du dessus. Donc c'est pareil, ça a été retravaillé après, j'ai mis des trucs en finition. Donc là on arrive au gantelet on va dire, au niveau de l'avant-bras. Donc là au passage comme ça vous voyez aussi le gant on va dire fini avec les pics sur le dessus. Donc je voulais d'ailleurs rajouter un effet un peu agressif qui m'a plu, on va dire. Donc là le gant c'est pareil, même topo en fait que pour le protège tibia. Donc ça c'est le même procédé, c'est juste après là j'ai essayé de faire des espèces de gemmes en fait. Me demandez pas pourquoi, voilà, je voulais faire de la déco, faire quelque chose de un peu entre guillemets antique, qui soit différent en fait de ce qu'on voit. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de mon cosplay même, c'est d'avoir fait quelque chose de
vraiment de peu commun. Donc là, c'est le gantelet de gauche que j'avais incorporé. J'ai essayé d'incorporer des griffes vis-à-vis du cosplay, en fait, enfin du costume original. Donc, trop peu de temps pour moi pour réussir à faire des griffes qui rentrent et qui sortent, et surtout pour la Japan Expo, compliqué d'amener ce genre de gadget, parce qu'il fallait que ce soit solide si je voulais que ça rentre et que ça sorte, et bah là, le problème, c'est que si je fais un truc solide, on m'aurait pas laissé rentrer avec, alors ça aurait été un merdier pas possible. Donc du coup, bah, simplement, je me suis ravisé et j'ai pas fait. Je me suis dit, je vais laisser un truc sorti, ça sera tout le temps présent, et puis basta. Donc là, c'est pareil, vous en faites pas, ça a été complètement retravaillé, relissé, parce que là, c'est vrai que c'est pas beau. D'ailleurs, je l'ai fait peut-être à 2 semaines de la Japan, parce que grosso modo, le cosplay entier m'a pris un an. Vraiment, enfin, 10 mois, on va dire. Ça a été très long. Donc ça, ce sont les épaules. C'est pareil, je crois que je les ai un peu retravaillées. Je les ai rendues plus... À la base, il y avait des bouts en moins, et je les ai voulu les rendre plus grandes. Et donc, en fait, l'objectif, c'était que ça prenne vraiment... que ça passe sur de la protection qui est là, et que ça remonte un peu en pique, un peu style, vous savez, dans certains jeux vidéo où je filme, il y a des chevaliers qui ont vraiment des épaulières qui remontent bien. Et je trouve que ça faisait un effet, en fait... qui est assez cool, et j'ai voulu essayer de le reproduire sur ce cosplay. Donc là, du coup, ça c'était plutôt pas mal. Elles sont assez grandes, mine de rien, hein. Il y avait une plus grande que l'autre, parce que forcément j'avais le canon ici, donc il fallait pas que le truc vienne taper dedans, ça aurait été trop pénible sinon. Donc ça, c'est on va l'appeler la cravate, parce qu'en fait, donc il y a les parties du cosplay qui sont là, et donc ça a été fait en fait pour venir en dessous les deux d'en haut, descendre le long de mon ventre et en fait venir se scratcher sur mon protège-bite qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour ramener un effet de décoration et en plus venir consolider le tout. Donc là vous voyez en fait sur le haut de la cravate on va dire, donc il y a une partie qui est surélevée par rapport aux autres, donc simplement ça c'est sur velcro aussi. Donc il suffisait que je l'enlève, je mettais les parties du haut. Et ça tenait pas juste comme ça, donc j'avais mis des élastiques avec des petits clips. Donc clac, clac, je fermais les deux par-dessus ma cravate et je revenais mettre ça et on ne voyait pas les clips justement. Donc c'était l'intérêt, c'était de faire un truc décoratif mais pratique. Donc là, je m'étais plutôt éclaté à faire ça, mais bon, on coupera. Donc ça c'est, on va dire, la cravate de derrière pour le dos, parce que du coup mon protège-cul, lui, il fait quand même ouais, un bon 3 ou 4 cm d'épaisseur, donc il fallait que je fasse un truc qui vienne poser dessus. Donc du coup, chose faite, je lui ai fait une espèce d'effet arrondi. Ça a été un peu galère à faire, mais ça s'est fait. Et donc voilà, bon bah du coup pour faire l'effet que ça, en fait, ça fasse la continuité. En plus de ça, donc du coup j'avais modifié mon protège-cul pour lui mettre un départ de clip en fait et l'intégrer dans l'autre pour que une fois que c'est en place et que ce soit clippé, que ça vienne pas en fait se barrer, parce que forcément sinon ça ressemble à rien. Donc du coup l'intérêt c'était que ça reste en place. Donc c'est vrai que à cause de ça j'ai été plutôt compacté dans mon cosplay. C'est-à-dire que je pouvais pas trop bouger. Genre si je faisais tomber un billet de 500 euros que j'ai souvent dans ma poche, je pouvais pas aller le chercher. Voilà, donc ça c'est on va dire l'étape brute. Je m'étais dit ouais bon ça le fait. Et donc là ensuite ça c'est la partie décorative. Mais ça c'est la cravate de devant, c'est pas celle de derrière. Voilà, ça c'est l'arrière. Donc du coup c'est pas super symétrique en haut. Et simplement parce qu'une fois que je l'ai mis, que je l'ai essayé, je me suis rendu compte que je m'étais axé sur quelque chose que je pensais droit, qui ne l'était pas. Donc du coup, bon, voilà. Donc là pareil, rebelote, hein, système D pour faire tenir et cacher les petites sangles et les clips. Vu de derrière ce que ça donnait, donc c'est totalement brut, c'est pas aligné, c'est juste en fait c'était moi, j'avais demandé à ma copine de me prendre en photo pour me donner en faire un aperçu, donc ça m'allait, c'était bon. Je m'étais dit, bah, une fois que ça sera bien mis et rangé, que ça sera coupé forcément bien au niveau du cou, ça sera propre, donc impeccable. Et pareil pour le devant, donc là pareil, ça, je l'avais remonté, je l'avais bien remis. Hop, et ben voilà, on arrive déjà au niveau du cosplay. Bon, après là, il n'est pas tout à fait, je l'ai pas mis en fait à 100%, il manque le filet, mais donc on verra sur une des prochaines photos. Mais donc là, on se rend vraiment mieux compte. Là, vous voyez ce que je vous disais, donc les genouillères, donc honnêtement, bah, ça passe. Les griffes, ça passe. Les gants, ça passe. Il y a tout qui passe. Donc là, on voit pas trop trop bien encore. Je pense qu'il y a d'autres photos qui doivent être plus mises en valeur. Sachant qu'en plus, j'ai pas le canon de monter dessus. Et on voit ma ceinture dorsale qui cache mon gros ventre. Et encore, on arrive quand même à déceler un petit bourrelet. Ouais, je vous raconte pas, honnêtement, je suis relativement fier en fait de ce que j'ai fait, parce que bon,
pour quelqu'un qui a jamais fait de cosplay, bah, c'est plutôt cool. Donc là, on voit aussi le porte-canon en fait que vous voyez en fait sur mon épaule gauche, le V2. Donc à la base, je voulais faire plein de petits pics en fait qui vraiment en fait partir sur des longs puis des plus petits et faire un truc vraiment pointu. Et je me suis dit à tous les coups, il y a un connard qui va me rentrer dedans à la Japan Expo, il va tout exploser. Et je vais devoir le tuer. Voilà, je vais devoir le défoncer. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire un truc quand même moins compliqué et qui va quand même être plus simple à protéger. Donc du coup, j'ai fait ça. Et donc là, ça, c'est bon. Je suis désolé pour la qualité d'image parce que du coup, je suis sur Premiere et j'ai pas l'habitude de me servir de Premiere. Donc du coup, voilà l'image. Enfin, une fois fini, donc on voit plus les mauvais détails. Vous voyez, on voit plus rien. Il y a le fameux filet qui est présent, donc comme là le Predator original. Le canon qui est posé, donc ça rend un effet vraiment tout autre. D'ailleurs, le support du canon, son bras, c'est fait avec des lames de volet en PVC, vous savez, ceux qu'on a tous. Donc là, mon seul regret, c'est que mon canon soit pas articulé, sauf que je vois pas comment l'articuler, sachant que j'ai pas de connaissances en électronique. Hormis lui faire un socle en fait libre et mettre des câbles qui soient reliés à une partie de mon cou. Mais là, je vais me transformer en Docteur Octopus, donc ça va pas le faire. Mais pour que quand je bouge la tête, ça tire sur le câble et en fait que ça l'oriente en fait en fonction du sens où je tourne la tête. Et ça, donc c'est un autre photographe qui a cru que j'étais une grosse salope avec mes trucs devant, là, comme ça, mais ça fait pas... Bon, ça va, le style est là. C'est juste dommage qu'elle soit aussi saccadée, la photo, parce que du coup, j'ai dû tirer dessus, parce qu'ils m'ont envoyé des fichiers. Tu vois qu'ils ont vu que ce soit leur travail à eux, que t'as pas envie de trop l'exploiter, parce qu'ils t'envoient un truc, tiens, je te donne une photo, mais elle est pas... Elle est belle, mais elle est pas ouf. Voilà. Et je crois que c'était la dernière photo. Bah voilà, du coup c'était un petit résumé de la création de mon cosplay. Je le rappelle, il m'a pris 10 mois. Il a dû me coûter en tout, je dirais, dans les... je sais pas si je devrais dire 300-400 balles. Mais voilà ce qui m'a coûté. Entre guillemets, 10 mois de travail. Et puis voilà, c'est vraiment... je suis vraiment pas un peu fier de ce cosplay, sachant que... À la Japan Expo, il y a des cosplayers, bon bah ils viennent pour le fun, ils se promènent, machin. Moi j'ai pas pu me promener. En vrai j'ai pas pu me promener, même mes potes ils sont barrés parce que du coup ils ont dit ouais c'est chiant, c'est bon, tu te fais prendre photo toutes les 2 minutes, c'est... Enfin toutes les 2 minutes j'exagère hein, parce que c'est toutes les 10 secondes en vrai. Hein. Je fais excusez-moi monsieur, une photo, allez vas-y, on fait une pause. Hop là, allez ciao, salut, bye. Hop là, je fais 2 pas. Excusez-moi monsieur, ça prend une photo. Allez vas-y, je suis chaud, on continue. Paf, et des fois pendant que je fais une photo, il y en a un autre qui me dit « Eh, on peut faire une photo? Tu vois pas que j'en fais déjà une là, mon con? » Bref. Ah, mais c'était vachement cool, hein. J'ai apprécié la Japan Expo, ça a été quelque chose de relativement sympa à faire. En fait, j'y allais, mais en tant que visiteur. Maintenant, j'y suis en tant que cosplayer. Et l'année prochaine, bah, je pense que j'y retournerai avec le même cosplay. Je vais juste modifier un peu peut-être les shoes, parce qu'elles sont pas très très belles, on va dire. Hein. Et puis voilà, c'est tout. Bon. Eh bien, sur ce, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire. Et puis voilà. Allez, bye tout le monde!